J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 3 juin et je vous prends, il est 8h moins le quart. Donc, je me suis levée aux alentours de 6h. J'ai bu mon café, je me suis préparée, j'ai réveillé les loulous, monsieur aussi, hein, parce que monsieur dormait aussi. On s'est préparé, j'ai nettoyé mes gourdes, les gourdes sont prêtes, la boîte, ils nous ont vendu une boîte, c'est prêt. Donc là, on va partir, on est déjà en retard. Parce que normalement, c'est pour 8h moins 10, c'est déjà 8h45. Donc, je vous prends au château. À tout à l'heure. J'aurais peut-être pas dû. Oh, c'est magnifique les arbres là comme ça. Ah, c'est une galère à tailler tous les ans ça. Oh, mais c'est magnifique. Je vais me faire pareil à la maison. Evan Gary, comment il court. Ça lui fait du bien. Donc là il y a le parc et puis là ici vous voyez le donjon d'ici. Sortie. Et là c'est une salle, je sais pas ce que c'est. C'est écrit salle Saint-Gérald. Voilà. T'as vu qu'il y a une croix dessus, ça ressemble beaucoup à... Ouais, certainement. Oh, voilà. Je pense que t'es dans là, un village vachement chrétien, je pense, ici. Regarde, ici. C'est pas mal. Voilà. Ouais, ils faisaient des jeux dans le temps. Des activités sur place. Dans le temps, jusqu'en 2014 quand même. Hein. Allez, Ivan, à ton tour, mets tout ton poids. Ouais. Ah bah non. Oh non, il fait chaud, même. Ah bon. C'est cool. Et voilà, ah oui, mais il faut laisser. Oui, c'est à quatre. Et après tu mets l'autre. Deux clés. C'est bon. Là tu t'arrêtes tout chez lui. Ah oui, t'es là. Bah, là, alors, alors. Ah non, je crois que je me suis trompé de la vidéo. Tu vas faire bourse. L'activité là-bas aussi, il faudrait bien. Attends, attends, après une heure, on finit avec... Vas-y. Non,
il a fait le truc de Guimauve. Moi aussi je veux faire comme des Wagyu Wagyu, j'aime. Et je veux faire la bouche et, le... et la tête de Wagyu. Est-ce que je peux jouer avec ma copine? Voilà. Allez, vas-y. On va jouer avec Puma. Carrément la scie pour couper. Quand, quand vous faites un bobo, maman, elle met de la biceptine. Ouais. Et puis, on spray. Nous, ça n'existe pas. C'est comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a que de l'eau. Il n'y a pas du produit qui pique et du produit qui pique pas. Il n'y a pas de produit. Surtout, c'est des recettes. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi comme il a dit. Je vous reprends, hein, du coup. Donc là, on est à midi, on vient de finir de manger. Donc là, ce matin, on a fait, bah, je vous ai filmé, hein, on a fait mon métier au Moyen-Âge, travail du cuir. Ensuite, les enfants ont été se maquiller. C'est pareil, je vous ai fait en photo, je vous les ai filmés. Une sacrée réussite pour les enfants pour vis-à-vis du truc. Ensuite, bah là, on vient de manger. Donc, on a mangé sandwich avec salade composée et puis jambon pour moi et monsieur. Ça a été du thon pour les enfants. Pareil, c'était du jambon. Bon, avec un sachet de chips. Puis là, c'est une éclair au chocolat ou café. Ça fait une bêtise. Donc oui, monsieur Evan, au moment de choisir le repas, on lui avait dit café au chocolat. Il m'avait dit oh bah café. En fait, quand on n'a pas de café, et comme c'est contrôlé, en fin de compte, c'est commandé à l'avance. Donc du coup, bah, on ne peut pas changer. Et au lieu de goûter, et vérifier, il veut pas goûter, c'est sa crise. Voilà. Donc, il devrait goûter du caramel. Non. Vachement. C'est du café. On dirait que j'ai mes dents blanches. Goûte un petit morceau. Tu verras, papa mais... être mon pote. Donc là, cet après-midi, ils vont faire atelier poterie. Mais comment dire votre gamelle. Alors? Non, là, tu fais une comédie, c'est du sucre. Et toi qui ta gogueule à sucre. Mais donc, du coup, cet après-midi, on fait atelier poterie, peinture sur. C'est bon, t'as vu? Tu as cru que c'était du caramel? Ensuite, ce sera les jeux médiévaux. Du caramel, on sait que t'aimes pas le caramel. Du camp. Bon, là, on a déjà découvert un camp. C'était sur la médecine. C'était pas mal. Hein. Je vous ai filmé aussi les instruments, tout ça. Ils m'ont tout bien expliqué. Franchement, c'est une belle journée. Après les trucs, on s'en va tout de suite faire les deux camps avant la visite. Bah non, ils sont pas là, ils sont en train de manger. Hein. Après les deux activités. Ouais, et il y a aussi la visite du donjon entre deux, hein, bien sûr. Et donc, on finira sur les camps parce qu'on a quand même place pour finir là les trucs. Ouais. C'est bien calculé parce qu'on est arrivé, bon, on est arrivé de bonheur, on a joué à, les enfants ont joué un peu au parc, hein, comme je vous ai fait voir. Et puis là, à 10h30, ça a commencé. On a été tout de suite faire. Ils ont fait une bourse, comme je vous ai fait voir, hein, et puis des dessins. Et puis ensuite, on n'a pas eu le temps de dire ouf qu'ils ont parti se faire maquiller. Et puis, ils ont arrêté le maquillage. On a été au camp médical. Et puis après, il était l'heure de manger. Donc, en fin de compte, on a le temps, hein, mais on n'est pas à rien faire, en fait. C'est vraiment bien organisé. Ah, c'est super. C'est sur des heures, donc comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde sur les stands, en fait. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Franchement, c'est... Donc, je le conseillerais pour les autres personnes. Ouais. C'est très bien.
organisé, franchement, sur la pompe. Donc là, on va vous laisser. Ils vont continuer à jouer au parc. Alors, ça, tu m'as Eva, du coup, il a mangé son éclair au café quand même. Il a qu'à finir de le manger, Eva. Donc, il a cru que c'était du caramel. Ouais, donc là, on va finir tranquillement de digérer, puis après, on ira à l'atelier poterie. Faire son café. Je vous filmerai à l'atelier poterie de toute façon. Comme on a filmé ce matin, ouais. Pour le boulot qu'il a fait, il va être magnifique. Ouais. Et ça peut être une activité plus tard. Et monsieur est déguisé en Spider-Man. Et là-bas, il y a une Irina. Je ne sais pas si vous allez la voir là-bas, qui joue au toboggan. Donc voilà, donc je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure, je pense. À tout à l'heure. Un gros câlin. On aurait dû finir de manger avant de. Ah, Patrick, avec tes doigts. Allez, c'est pas pourquoi tu vas tout faire. Hein. Merci. Couper là, oui. Moi aussi, on peut s'en servir de rouleau. Bah, apparemment, si tu y arrives bien à réussir avec, c'est bien. À la base, on utilisait pour faire le physique, mais elle a trouvé l'astuce. Bah, oui, on s'en connaît pareil comme. Bah, c'est bien. Comme le mini-rouleau. Bah, c'est très bien. Mais tu vois, je voyais que j'y ai même pas pensé. C'est pour ça que. On va le cacher aussi. Oh, tu fais comme Spider-Man, tu fais les mêmes couleurs. Dis. Si on attend entre temps là. Tadam. Tu mets rien d'autre, Nene, tu laisses comme ça. Ah non, je vais mettre plusieurs. Je sais pas si je vais faire ça. J'aimerais bien voir un petit peu de jeu. Elle est coincée. Regarde. Toi, t'es prêt, donc elle est coincée. Ah oui. En fait, ça a passé des gens là. Et là, ça va pas. Des gens là-bas. Non. Mais il n'y a pas de. Si, là. Là, il y a de l'eau, mais il n'y a pas là. Mais non, on retourne chez la manger. Pas, la dame elle l'a dit. Ça fonctionne pas.
Ils font des bêtises des fois, tu veux dire ? Des grosses bêtises ? Non, des petites bêtises, ça va. Nous voici ici dans les appartements privés du Seigneur, dans la chambre. Le roi est où ? Ah, il est là ! Sa couronne ! Où c'est ? C'est Jasmine, quoi ? C'est lui ? Non, c'est le petit garçon, parce que elle, c'est une femme. Tu crois que le monsieur, c'est une femme maintenant ? Hé, regarde, c'est la femme qu'ils ont coupée en deux. Non, maintenant l'autre partie. Mais comment je passe? Non, ils sont pas. Mais non, comment ils sont passés? Mange pas. Non, viens ici. Et avec ça. Evan, on est là. Evan. T'as loupé les arbres. Je vous reprends comme ça. Du coup, on est rentré. Donc, cet après-midi, faites pas attention, il y a du bazar. Cet après-midi, ils ont fait donc. Bah, je vous ai filmé un petit peu. Hein, ils ont fait, ils ont peint leur fer à cheval. Ils ont fait un genre de bol en pâte qui durcit. Donc là, c'est en train de sécher. Et puis après, on a été visiter le donjon. Donc je vous ai fait quelques vidéos hein, sur le donjon. Bon, il est petit, hein, il n'y avait pas grand-chose à... Bon, si, il y avait quand même des trucs à voir, mais c'est pas non plus... Après, je vous ai pas mis les explications non plus, hein. J'ai fait comme le château de Serquant, hein, du coup. Parce que si je vous dis tout, bah, l'envie d'aller le voir, voilà, quoi, il sera plus là. Donc là, on a vu aussi... Donc, je vais... Ouais. Donc, il y a une représentation la semaine prochaine. Donc, c'est ça, en fait. Hein, il était une fois au pays d'Artois. Et en fait, il y a des représentations, il y a des démonstrations. Donc là, il y a la guerre des Gaules. Il y a du Second Empire, de la Troisième République, le temps des chevaliers, des corsets de l'Ancien Régime. Et les Red Vikings, et puis comme nous on y va dimanche, on ira peut-être voir les couloirs du temps et le concert medley. Et puis je crois que c'est tout ce qu'il y a. Oui, puis il y a un conte aussi entre 11h, donc on va voir, hein, de toute façon, hein, on y sera, donc on verra. Là, je vous ferai voir les créations des loulous, parce que bah, je les ai posées là, parce que forcément, voilà. Ils ont eu un porte-clés, donc je vous le fais voir aussi après, du coup. La feuille, ça. Donc, ensuite, bah, il y a eu un petit goûter. Hein. On a fait un petit goûter, après la visite du donjon. Donc, ils ont eu des madeleines, de la compote, et puis bon, bah, un verre de jus d'orange. Hein. Et puis nous, on a été voir le dernier campement qu'on n'avait pas vu parce qu'il y avait un campement médecin. Donc on a été le voir, hein, c'était super intéressant. Le monsieur expliquait tout bien, franchement, nickel. Ensuite, on a été voir l'écrivain, donc il faisait des beaux tableaux, franchement magnifiques. Il était doué en peinture. C'est vraiment. Je vous partagerai peut-être des photos de ce qu'il fait, mais franchement, c'est magnifique. C'est un mec, franchement, ça vaut. Donc il nous a expliqué les différentes flèches. Je savais même pas qu'il y avait autant de fléchettes que ça, de flèches que ça, en fait.
Les pointes sont bien différentes les unes des autres. Elles ont chacun un truc spécifique. Donc moi, ça, je ne savais pas. Franchement, j'en ai appris, en fait. Et puis, en dernier, on a été voir le campement. C'était beaucoup sur tout ce qui est armure. Et si puis, vous faites et tout ce qui est armure, et puis bien sûr, c'était des trucs avec des outils à main, des armes à main, en fait, genre la hache, tout ça. Donc, ils nous ont fait voir tout ça. Donc, franchement, on a appris pas mal de choses. Hein. Une fausseuse qui avait été transformée en arme. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Donc, ensuite, on est rentré. Les loulous viennent de prendre leur bain. Irina est encore dans son bain actuellement. Ce soir, je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait la soupe ou... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas là pour m'aider non plus. Hein. On va aller prendre une bonne douche puis aller se coucher. Hein, parce que franchement, hier, je me suis couchée à minuit. Je me suis levée à 6h ce matin. Donc, ça pique un peu. Hein. Donc, voilà. Pas grand chose d'autre à dire hein, pour aujourd'hui. De toute façon, je pense que je vais clôturer le vlog. Après, je vais vous faire voir d'abord les créations des loulous. Et puis après, je vous clôturerai le vlog. Donc voilà ce qu'ils ont fait. En premier, c'est la bourse. Hein. Et à chaque fois qu'ils faisaient un atelier, ils avaient des pièces comme ceci. Et donc, ils ont eu le droit de les garder. Donc du coup, bon, bah, on en a. Hein. Ils sont pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, ils ont fait ce fameux bol que je vous disais. Hein. Donc, celui-là, c'est à Irina. Bon, il n'est pas encore bien sec. Et celui-là, c'est à Evan. Donc, Evan, il a voulu mettre le tampon donjon de bourg. Irina aussi, mais elle l'a recouvert de boutons. Donc, voilà. Elle a voulu faire des genres de petits escargots sur le côté. Donc, c'est assez marrant. Et ensuite, ici, ils ont fait leur fer à cheval. Donc, celui-là, c'est celui d'Evan. Donc il l'a peint, il a fait couleur Spider-Man. Hein. Et puis Rina, elle voulait du rouge et elle a eu du marron. Donc voilà. Donc voilà pour leur création. Et puis pareil, il devait faire un dessin sur le thème médiéval. Donc Evan, il a choisi le coloriage. Et Rina, en fait, elle avait un dessin qu'elle devait reproduire sur les métiers. Donc, elle a choisi la cuisine. Hein. Là, c'est la cuisinière avec son chaudron. Chaudron, façon de parler. Hein. Et puis là, il y a le chien, le monsieur qui mange son pain. Là, c'est le monsieur qui sert le plat. Là, il y a plein de trucs. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, ils ont été assez contents de leur journée. Evan. Là, ils sont fatigués, mais alors quand je vous dis fatigués, c'est vraiment fatigués, quoi. Sur la route, ils se sont endormis bien comme il faut, quoi. Donc, ils sont vraiment fatigués. Oui, il y a tout qui est ouvert, c'est le bazar partout. Mais en même temps, on n'était pas là de la journée, hein. Encore pour avoir des mauvais commentaires, voilà, quoi. Donc, il y a les gens, franchement... Ils mettent des commentaires, je vois même pas le rapport avec la vidéo, mais bon, c'est pas grave. On passe de host, hein, moi je next hein, maintenant, donc voilà. Papa, pas l'intérêt d'en parler de toute façon. Papa, il est où? Il est dehors. Donc là, j'ai été vite fait. Oui, ce matin, j'ai aussi arrosé mes fleurs, mais mes géraniums, mes pétunias, je les arrose plus. Et là, tout ce qui était jaune est en train de sécher, donc à mon avis, c'était vraiment un excès d'eau. Donc c'est soit ça, soit j'ai regardé sur internet que ça pourrait être un manque de fer. Donc je vais voir, là j'ai arrêté de les arroser depuis un bon moment là, déjà. Donc je vais réarroser tranquillement, je vais commencer à arroser tranquillement, doucement quoi. En même temps le temps, bah, il fait beau mais le vent il est froid, donc forcément ça coupe tout. Donc voilà. Donc là, je vais clôturer le vlog là, parce que bah, après, je vais aller prendre ma douche, puis je vais aller me coucher. Donc, je vais pas vous filmer grand-chose de plus que ce que je filme là. Ce soir, ça va être soit la soupe, soit un truc assez rapide. Hein. En plus, on a encore le gâteau d'anniversaire à finir. Donc, du coup, on a encore de quoi manger. Hein.
Donc là, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi, je vous dis ciao!